Je m'appelle Diallo Amadou, je suis à Vannes depuis 2006, je suis d'origine guinéenne et maintenant j'ai la double nationalité, franco-guinéenne, et je suis fier de l'être, très très heureux, très heureux. J'ai eu la chance de venir faire mes études en France et moi j'ai un parcours un peu atypique parce que j'ai fait mon lycée ici. Après lycée, j'ai fait un BTS Management des unités commerciales. Après, j'ai fait une année d'école de commerce. Et aujourd'hui, je travaille dans une entreprise qui me plaît bien, qui me donne des opportunités. Le travail, pour moi, c'est un modèle d'intégration parce que c'est la manière dont... C'est une reconnaissance. Quand on travaille, on se sent important. Parce que je pense que s'il n'y avait pas le travail, je n'aurais pas eu la chance de faire ma vie comme je le fais actuellement. D'être heureux dans ma vie comme je le suis actuellement. Donc j'ai eu un bon entourage, des amis. D'ailleurs, même ça, mes amis ont mis du temps à savoir que je n'étais pas français. Bon, j'ai un truc à vous annoncer. Il y a la cérémonie de remise de nationalité à Vannes. Félicitations. Bah, merci. Je suis parmi vous. J'étais le seul immigré. Alors Amadou, pour moi, c'est un de mes meilleurs amis. On se connaît depuis son arrivée en France. Quoi. Et c'est vrai que c'est un modèle pour nous, quoi. Un modèle de réussite. On a fait toutes les démarches ensemble. Je l'ai accompagné à la préfecture et j'ai vu, j'ai vu toutes les étapes. Donc c'est vrai que bah, pour moi, je trouve que c'est un beau parcours parce qu'Amadou, il est arrivé en France. Il y avait son frère, mais je veux dire, il connaissait personne. C'était pas facile, je pense. Il faut que ça soit un exemple pour plein de jeunes. Comme quoi, c'est possible. La première chose de la valeur de la France, c'est la liberté déjà. La liberté. On m'a dit, t'es le bienvenu, donc je suis là.